Voilà, salut à tous, monde de Trutru. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un test de vidéo tout mou. Non, je déconne, c'est pas un test de vidéo tout mou, mais en fait, si vous voulez, je teste des choses. Et du coup, je filme aussi beaucoup parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc ici, comme vous voyez, j'ai tout simplement utilisé... Chocapix pour les vidéos, j'utiliserai ce pack de textures là pour éviter justement que il y ait des soucis au niveau de qu'il y ait des soucis au niveau de la qualité de fluidité, parce que comme vous voyez, je suis à 80 fps, donc c'est beaucoup mieux pour la qualité vidéo, audio et tout ça. Et oui, nous sommes sur la map Crusoe qui a été utilisé pour la saison première du nom de Fanta et Bob. Donc c'est bien la map où Fanta et Bob ont fait leurs aventures sur le premier Crusoe, tout simplement. Et du coup, ben voilà, il est là. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'utilise ce pack de texture-là, parce qu'il y a pas mal de chutes d'FPS. C'est pas une map très optimisée. Pourtant, je l'ai optimisé au max pour que ça aille mieux. Et du coup, vous voyez ce que ça donne, ce genre avec les eaux et tout ça. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique avec les eaux, les shaders Chocapix. Regardez comme c'est beau. C'est ultra stylé. Voilà, du coup, vous avez un bon effet. C'est vraiment stylé. Et du coup, je peux dormir dedans pour dormir. Voilà, on se lève. Et du coup, on peut visiter... ce genre de monde sympathique. Pour information, je filme avec notre cher Streamlabs et puis avec OBS. Parce que Streamlabs, en fait, il utilise l'MP4 pour faire ce que je fais là. Alors que OBS, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais ça, c'est pas en MP4 qu'il enregistre, c'est en A.AVI. Donc du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est comme ça que je me suis dit qu'on va changer les choses. Et c'est trop cool. J'ai prévu aussi d'acheter un nouveau disque dur justement pour les vidéos. En tout cas, voilà, comme ça vous êtes au courant que voilà ce que ça donne. Moi, j'aurais plus qu'à mettre cette vidéo dans un logiciel pour faire le traitement, mais voilà quoi. C'est vrai que c'est assez casse-pied quand ça fait le troll. Je regarde un peu ce qu'ils ont fait justement, parce que ça, ils le montraient jamais en fait. Hein, jusque où ils ont été pour faire les modifs et tout ça. Du coup, nous, on va aller voir. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait à l'époque au niveau de cet endroit? Donc on va un peu visiter. Donc voilà, par exemple ici il n'y a rien, mais ils auraient pu quand même éclairer pour un peu moins de dérangement. Apparemment, là il n'y a rien non plus. Voilà. Ça va assez loin quand même. Ouais. D'accord, voilà, comme ça vous avez vu jusque où ils ont été pour le creusage et qu'ils n'ont pas été plus loin quoi. Voilà, comme ça vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ici tout simplement, ce qui est pas mauvais. Et comme vous voyez, en effet, je suis à 145 fps. Ça, c'est parce que j'ai un bon PC. Hein, et voilà quoi. Non. On va monter. J'ai un très bon PC pour ça. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis. C'est aussi pour ça que je voulais. J'arrive pas à parler, excusez-moi. C'est pour ça que je vous l'ai dit plusieurs fois que. En effet, les shaders que j'utilise, c'est les shaders les plus lourds qui existent. Ils font parmi les shaders les plus lourds et bien optimisés aussi, parce que tu peux avoir des shaders peu lourds
est mal optimisé, donc du coup tu peux faire des chutes d'FPS. Mais ceux-là, les deux sont des shaders qui sont vachement bien optimisés. Et du coup, qui sont géniaux quoi. Comme vous voyez, ils ont quand même été un peu n'importe où. On visite un peu, on regarde la nostalgie du premier épisode. On vérifie ce qu'ils ont fait à l'époque. Donc voilà, on a fait tout le tour. Hein. Après, vous allez me dire que ça sert à rien d'avoir mis du truc. Voilà. Là aussi, en fait, ils ont fait beaucoup de trucs. Ce qui m'énerve chez eux, c'est qu'ils allument pas, en fait. Ils allument jamais. C'est chiant. Voilà, là, c'est bien, ils ont allumé. Ah ouais, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Ouf. C'est un vrai labyrinthe, dis donc. Ça, c'est clair et certain qu'on peut pas leur reprocher de faire des labyrinthes. Des fois, voilà, vous voyez qu'ils ont eu des soucis psychologiques. Non, j'école. Des fois, ils ont eu des façons de faire comme ça. Putain, mais ça va loin, quoi. Ouais, ça va très loin. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'ils ont fait à l'époque. Donc, ça a l'air d'être correct. Mais putain, qu'est-ce que c'est, bordel. C'est pas des pros de l'optimisation. Hein. Ah, regardez, un petit rayon. Qu'est-ce qu'il est beau ce Shaders. Certes, c'est pas les Zeus, mais il est bien sympa. Regardez, on a beau être en 1.19.2. J'ai quand même toujours les items parce que la migration s'est fait correctement, l'optimisation s'est fait correctement. Donc tout ce qu'ils ont laissé, sont toujours là. Vous voyez un peu ce qui reste en fait avant de terminer la série. C'est un peu les coulisses en fait. Je pourrais clairement renommer cette vidéo les coulisses de Fanta et Bob. C'est ce que je pense faire. Du coup, on va vraiment visiter jusqu'au bout tout ce qu'il y a, quoi. Mais voilà, comme vous voyez, il y a vraiment... vous savez voir qu'il y a eu pas mal de récupération de bois aussi. Voilà. Il y a moyen de faire de la survie. Il y a même 3 diamants. Voilà. Il y a pas mal de choses. Comme vous voyez, en tout cas, la map, elle est pas incomplète. Hein. Il y a vraiment de tout dessus. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment... Vous voyez, j'ai des chutes d'FPS. Hein. Quand je regarde par là, j'ai pas mal de grosses chutes d'FPS. En fait, c'est dans la forêt qu'il y a un problème. Regardez, je descends pas mal en FPS. On va y aller. Hein. J'ai un bon PC. On n'ira pas plus bas que 30 FPS, donc ça devrait toujours rester fluide. Voilà. Ici, c'est là qu'il y avait... qu'il y avait truc, là, en fait. Notre cher... ami truc. D'accord, je sais pas pourquoi ça vole. Là vous avez la maison de truc, je sais plus son nom. Donc voilà. Là vous avez un volcan, tiens. Je sais pas s'ils ont été, mais apparemment c'est possible qu'ils n'ont jamais été. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu des petits secrets du tournage qu'ils ne nous ont pas mis. Je pense encore éventuellement que les cannes à sucre qu'ils ont utilisés et récupérés, mais en fin de compte, ils n'ont pas fait grand-chose, regardez. Hein. Ils sont toujours là et ils n'ont pas forcément été utilisés énormément. Parce qu'en fin de compte, Bob Fanta a découvert que les cookies, bah, il fallait pas de sucre. Donc du coup, bah, ça a servi à rien, en fait, hein, clairement. En tout cas, ça fait plaisir de se promener sur la map en mode nostalgie. Ça fait trop plaisir. Et du coup, voilà, c'est une petite découverte, comme ça, un petit plaisir que je me fais. Il y a vraiment tout, quoi. J'adore l'effet des shaders ici, ils sont pas mauvais, même si c'est pas les Zeus, c'est quand même sympa. C'est toujours classe, quoi. Ce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas,
correctement. Ah oui, ici par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai corrigé la pomme de Bob. Parce qu'en fait, en vrai, c'était ça qu'il avait fait. Ça, c'est moi qui ai corrigé tout ça. Hein. Que ce que vous voyez là, c'est moi qui ai corrigé. C'est parce qu'il avait mal foutu. Il s'est pas buildé correctement ou quoi, je me suis dit, ce mec. Bon, c'est pas grave. Mais regardez, là, ça fait un. En bref, ici, ça fait un rond parfait, comme vous voyez. Quand vous regardez comme ça, c'est parfait. Ça fait un rond très, 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 très beau. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Vous voyez, le rond, il est bien, il est super correct et tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que Bob, lui, il avait fait ça comme ça, en fait. Je vous remonte comment c'était avant. En fait, Bob, il avait fait un truc dans le genre comme ça, en fait. Oh, voilà. Je vous remonte à quoi ça ressemblait avant. Et c'est pas une blague, c'est pas un mensonge. C'est la réalité. Moi, quand je dis des choses, c'est jusqu'à maintenant, c'est vrai. Ici, vous pouvez aller vérifier dans les anciens épisodes que c'est la vérité, hein. Que c'est bien la vérité et que ça a été, il a mal proportionné les choses. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait avant que le buildage soit fait. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence parce que du coup, ça fait des sortes de points. Ça fait moins harmonique, je trouve. Ça fait moins rond. Ouais, c'est pas moche non plus, mais moi, je sais pas, moi, je trouve que c'est mieux avec ce que moi, j'ai fait comme ajout. Parce que c'est beaucoup plus pro, propre et pro que ce que lui, il avait fait. Tout simplement. Après, c'est mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est mieux. Après, c'est parce que je m'y connais mieux en sphère que lui, hein, donc c'est pour ça. Je suis un woosonnel en sphère tout mou. Donc je saurais mieux faire des sphères que lui, hein, ça c'est clair et certain. Parce que je viens de corriger la sienne, hein, c'est logique du coup. Mais c'est pas non plus du jugement. Hein, enfin, je m'en fous hein, en fait, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est juste que des fois je me dis, moi j'arrive pas à me faire plus connaître que ça. Et que quand je vois certaines personnes qui savent pas buder, qui font, mais je parle pas de Bob là, hein. Je parle d'autres personnes, des gens vraiment ultra nuls, qui font vraiment de la merde, que Bob ça va, et que ils ont beaucoup de vues, je comprends pas, je sais pas comment ils font, alors que moi, je fais mieux que ces gens là, et je fais pas beaucoup de vues, donc je soupçonne qu'il y a de la magouille en arrière-plan, mais bon, ça c'est notre histoire, en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et oui, je rouscaille un peu, mais bon, ça c'est humain, hein, il faut bien. Et puis vous aimez bien ça, vous aimez ça, le drama, vous adorez ça les jeunes. J'ai remarqué toute vidéo qui a des trucs de drama, elles font beaucoup de vues, donc on peut dire que c'est une drama tout mou. Donc, non, je déconne, en vrai, vu que moi c'est gentil, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si c'est au côté drama. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne de truc, et portez-vous bien surtout. Et soyez sages surtout. Allez, à plus. Ah oui, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur avant de partir. Voilà. Bon, le problème, c'est que j'ai mon propre pack de textures. Du coup, ben, ça ressemble un peu à autre chose. Mais bon, voilà. C'est pas très grave. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est de faire une photo avec vous. Pas avec moi devant, hein. Quoique, c'est à voir, c'est faire une photo du tout de Bob. Voilà, c'est fait. Comme ça, vous avez carrément vu la photo de truc pour le plaisir de la vue. Après, il y en a peut-être une autre que je peux faire aussi éventuellement si je ne suis pas sûr que les gens vont la reconnaître. Pourquoi j'aime bien le petit lueur. Voilà, c'est une comme ça, bah, c'est juste surtout une photo comme ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bande de petites trucs et du coup, portez-vous bien. Bande de trucs.